Le 7 de semaine m'a permis de rencontrer quelques-unes des personnalités les plus marquantes, les plus pittoresques, les plus impressionnantes de l'époque. Évidemment, si j'essaie d'isoler celle de ces personnalités qui m'a le plus touché, je ne peux pas ne pas mentionner Jean Rostand parce que il avait une réputation de vulgarisateur extraordinaire et d'humaniste en même temps. On peut dire maintenant qu'il est mort, qu'il a été le plus grand vulgarisateur du 20e siècle, en francophonie en tout cas. Et il avait constamment une préoccupation humaine à travers l'étude des grenouilles et du reste, qui faisait qu'il y avait chez lui une très grande bonté qui transparaissait immédiatement dans ses propos. Et je peux faire une confidence qui a l'air un peu insolente, c'est que quand j'étais jeune, je me disais, si j'ai quelqu'un à imiter, ça va être lui. Et mon ambition dans la vie, c'était de devenir le Rostand du Québec. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. À ma grande surprise, je suis devenu le Seguin du Québec. Et je suis assez content. Je ne reproche rien aux jeunes. Si j'ai des reproches à faire, c'est à ceux qui ont eu comme mission de les éduquer. Les jeunes sont, on l'a déjà dit, des véritables cires vierges sur lesquelles on peut imprimer n'importe quoi. Et si on ne leur donne pas un minimum de culture à l'école, on ne peut pas s'étonner qu'ils n'en aient pas plus tard ou qu'ils en inventent une qui finira peut-être par mûrir, par devenir intéressante. Si on ne leur donne pas, surtout, le goût de l'effort, qui me paraît être la principale faille des gens de 18, 20, 25 ans aujourd'hui, ils n'ont pas le goût de l'effort. Ils pensent que, et souvent avec raison, en regardant autour d'eux, ils pensent que tout se fait tout seul et qu'il n'est pas besoin de travailler pour réussir. On n'a qu'à voir ceux qui publient des livres, qui font des 45 tours, qui deviennent rapidement des stars d'un soir ou d'une semaine. Et comme on n'aura pas appris que tout ça demandait d'abord un effort, pas une peine, c'est pas la même chose. Un effort, c'est-à-dire une joie d'apprendre, une joie d'aborder le domaine des connaissances, une joie dans l'effort, et non pas un effort qui est une punition par rapport aux vacances. J'ai toujours considéré que le véritable enseignement, qui est d'abord et avant tout, la transmission, non pas de la connaissance, mais la transmission de la joie de connaître, d'apprendre aux enfants le plaisir qu'il y a à découvrir ce qu'il y a de nouveau, évidemment au prix d'un certain effort, le même effort que fait le skieur qui dévale une pente. Ce n'est pas un effort qui lui coûte, c'est un effort qui le remplit, c'est un effort qui lui donne de la joie pendant qu'il le fait. Et c'est au prix de cet effort-là qu'on réussit à devenir meilleur, à vaincre. La seule personne qu'on a à vaincre, c'est soi-même, d'ailleurs. Si on ne donne pas ça aux jeunes, on ne peut pas s'étonner que ceux qui vieillissent
est perdu, le goût de l'effort, on ne leur a pas donné. Je pense que c'est la principale faille de notre système d'éducation. Il est important que un jeune homme ou une jeune fille en formation soit touché, soit ému. Et qu'est-ce qui va l'émouvoir le plus, à mon sens, c'est la contagion que procure l'enthousiasme de celui qui enseigne. Quand je parle de donner le goût de l'effort, c'est facile à donner si soi-même on est enthousiasmé par ce qu'on enseigne. Je crois que ceux qui sont chargés de l'enseignement, qu'il s'agisse de n'importe quoi, des sciences, des arts, de la culture en général, ceux qui ne sont pas eux-mêmes enthousiasmés par leur matière, par ce qu'ils enseignent, devraient être congédiés immédiatement. Et l'enseignement ne devrait être réservé qu'à ceux qui ont eux-mêmes un enthousiasme communicatif. Et cette contagion de l'enthousiasme, c'est ça qui transforme l'effort en joie, c'est ça qui fait qu'on s'intéresse à la lecture plutôt qu'on ne fait généralement, c'est ça qui fait qu'on prend plaisir, un plaisir constant qui dure toute la vie, à découvrir quelque chose de nouveau, à assimiler des notions qu'on ne connaissait pas et à les intégrer à sa propre culture qui sera forcément différente de celle des aînés. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec énormément de plaisir. Et on peut trouver ça injuste, mais en plus, j'ai gagné honorablement ma vie. Je n'ai fait que des choses qui m'intéressaient. L'esprit contestataire, je l'ai toujours. Il ne m'a jamais quitté. Et je considère comme une chance, un signe, d'avoir traversé la vie et d'être parvenu au seuil de l'âge mûr sans avoir franchi l'étape de l'âge adulte. Je n'ai jamais accepté d'être un adulte, parce que accepter d'être un adulte, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, c'est accepter les valeurs du milieu, c'est accepter de se conformer à toute une série d'attitudes, de comportements, de soumission à l'ordre établi, qui font qu'on perd petit à petit sa liberté au nom de l'avancement, au nom de la carrière, au nom de la réussite financière, au nom des postes, des honneurs, etc. Et je pense que c'est une déchéance que d'accepter cette soumission-là. Il faut demeurer le plus longtemps libre. Et pour demeurer libre, demeurer soi-même, il ne faut pas entrer dans le monde des adultes qui est un monde pourri parce que c'est un monde de fourmis. C'est un monde où tout le monde doit penser la même chose. Dès que vous entrez dans un groupe, on vous demande d'être soumis aux habitudes de ce groupe, de faire partie de ce groupe, « to be one of the boys », comme on dit. Et à ce moment-là, vous êtes fini. C'est pourquoi les circonstances ont fait que je n'ai jamais été obligé de faire partie d'un groupe organisé. Et quand il a fallu que j'en fasse partie, par faiblesse ou par ignorance, j'en suis sorti très rapidement. Comme je suis issu d'un milieu populaire, prolétarien, en fait, et que j'ai accédé par le coup des circonstances, à ce qu'on appelle la culture universitaire, académique. J'ai été professeur à l'université à l'âge de 23 ans. J'ai été rapidement frappé du clivage qu'il y avait entre les intellectuels, les détenteurs de la culture, les détenteurs officiels de la culture, les définisseurs même de la culture, et les gens du peuple. Les gens ordinaires. Et très tôt, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation, j'ai décidé de parler à ces gens-là et j'ai essayé de leur redonner la dignité de leur connaissance qu'ils pouvaient acquérir eux-mêmes,
par rapport à la domination de la classe de l'establishment culturel ou scientifique ou universitaire qui sévissait au Québec, qui sévit encore au Québec. Et ce qui me frappe dans l'évolution de la société, c'est le fait que les connaissances que les gens avaient, des connaissances organiques, des connaissances viscérales qui étaient reliées, par exemple, au temps, au déroulement des saisons, aux travaux manuels, que ces connaissances-là ont été appropriées par la classe dirigeante qui finit par faire croire aux gens que si vous n'avez pas votre diplôme, vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez être le moindrement considéré dans la société, il faut que vous soyez instruit, et non seulement instruit, mais que ça soit sanctionné par des diplômes. Encore récemment, j'apprenais avec horreur que pour devenir une sage femme, il faudrait maintenant 3 années d'université. Et je pensais à ma tante Élisabeth, qui nous a accouché, nous, les 7 enfants, et qui était simplement dame de Sainte-Anne. Mais elle savait ça. Elle le savait parce qu'elle l'avait appris en observant les autres. C'est ça, la véritable connaissance. Elle l'avait pas appris parce qu'elle avait des diplômes. Et ces gens-là sont de plus en plus, non seulement opprimés, mais humiliés dans leur connaissance. Les gens qui ne sont pas instruits se sentent délaissés, sentent qu'ils n'arriveront jamais à rien dans la vie, sauf les têtes fortes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Mais pour le reste des gens, ils traversent la vie en disant « on est né pour un petit pain » ou « on ne peut pas arriver à ça, on ne peut pas se fixer ça comme objectif parce qu'on n'a pas les diplômes qu'il faut ». Et ça, c'est entretenu par la classe dirigeante et c'est une chose contre laquelle j'ai toujours lutté parce que non seulement je trouve ça ridicule, mais je trouve ça immoral. À court terme, je suis un pessimiste parce que j'observe une dégradation à peu près générale. Et il y a quand même un certain nombre de gens qui croient encore et qui croient peut-être de plus en plus à certaines valeurs qui me semblent fondamentales pour le bonheur des hommes. Des valeurs qui sont à l'opposé de la domination, de l'oppression, de l'exploitation. Et je me dis que, on trouve ça un petit peu comme tendance chez certains éléments de la jeunesse, je trouve que ces valeurs-là peuvent se développer, non pas de façon révolutionnaire, je ne crois pas aux révolutions, mais de façon par dissémination, par contamination, par contagion d'individu à individu. Plus il y aura de gens qui vont penser comme ça et qui vont dire, et plus il y a de gens qui vont l'écouter et qui vont se dire « oui, c'est vrai », plus le nombre de ceux qui vont croire à ces véritables valeurs humaines va augmenter. Et il est possible que dans X générations, que ces gens-là forment la majorité. Et à ce moment-là, il y aura comme un basculement de la société grâce à des révolutions culturelles qui auront été des révolutions personnelles, individuelles, et non pas des révolutions collectives. Elles seront collectives par accumulation. La musique a toujours été importante, mais avec des trous que je dois confesser. Lorsque j'avais 11 ans ou 12 ans, j'avais comme ami un type dont la collection de disques classiques, on appelait classique, était extrêmement impressionnante. Il y avait énormément de concertos, de symphonies, de musique de chambre. Et j'en ai écouté des soirées de temps pendant des années de temps, à tel point que je suis passé à côté du jazz. Je suis juste arrivé au blues, et encore. Et ce fond de musique classique m'accompagne toujours. J'en écoute beaucoup. C'est une détente pour moi. Et j'avoue que j'ai découvert, avec une certaine nostalgie,
le véritable jazz, que je ne connaissais pas. Mais s'il y a un soir d'été où j'ai un peu de vague à l'âme et que j'entends un saxo, j'aime autant vous dire que ça m'émeut beaucoup. Mais je regrette d'avoir ce trou-là dans ma formation. C'est pas le seul d'ailleurs, c'est le seul que je vous avoue. Pour écrire, je n'ai pas eu l'inspiration. Je recommence. Lorsqu'il s'agit d'écrire, je n'ai pas trouvé d'inspiration dans la musique elle-même. J'ai écrit à l'intérieur de mon cerveau et je n'ai mis la main à la plume, comme on dit, mais véritablement au stylo, que lorsque les phrases étaient déjà formées en moi, de sorte que j'ai toujours l'air d'écrire un premier jet, d'une façon très maniaque, d'ailleurs sur un papier quadrillé, bleuté, et avec un stylo. Je n'aime pas écrire à la machine. Je n'ai jamais touché à un ordinateur. C'est vous dire que je suis un dinosaure de ce côté-là. Si c'était à commencer, j'aimerais bien combler des trous dans mes connaissances. Parce que je suis animé, depuis que je suis tout jeune, d'une curiosité vraiment insatiable qui est presque perverse. Je m'intéresse à tout, mais j'ai pas pu m'intéresser à tout. Par exemple, je connais très peu le monde végétal, très peu le monde animal. Et chaque fois que je tombe sur des communications scientifiques qui parlent des mœurs des animaux, du comportement des végétaux, je suis fasciné parce que c'est là que me semble être la voie de recherche la plus importante des années à venir. Le système de communication qui existe entre les animaux et même entre les plantes, qui est l'équivalent des médecines douces par rapport aux médecines dures, les communications douces par rapport aux communications dures, les communications qui font que l'animal, qu'on considère comme une espèce de robot, est en fait un être qui est conscient d'être quelqu'un de différent et qui a un comportement social qui est dicté par des systèmes de communication qui sont poussés à l'extrême chez les insectes sociaux, par exemple chez la fourmi, chez l'abeille. C'est absolument extraordinaire. Alors, tout ce domaine-là pourrait nous renseigner sur, parce qu'il faut toujours que la science serve à l'homme, toutes ces études pourraient nous renseigner sur les communications entre humains qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas uniquement, loin de là, le fait de la parole, mais le fait des gestes, du langage, du corps, beaucoup plus important. Mais notre civilisation a valorisé à l'excès, à mon sens, les fonctions intellectuelles, aux dépens des fonctions émotives. Or, l'intelligence, ce n'est qu'un petit outil dont le principal avantage, c'est de former un intellectuel. Alors que l'émotion, les émotions en général, forment un homme. Quand j'étais petit, j'allais beaucoup au cinéma. Et il y avait des films, bien sûr, de cowboys. Et j'ai appris très jeune qu'il y avait des bons, des méchants. Facile à distinguer d'ailleurs, parce que pour les bons, c'était le cheval blanc, puis pour les méchants, c'était le cheval noir. Puis je me suis aperçu que dans la vie, c'est comme ça. Il y a des bons, il y a des méchants, mais il y a moins de coupables que je pensais. Et ceux qu'on appelle les méchants ne sont pas toujours coupables. Ça dépend un petit peu de la façon dont ils ont été élevés, de la façon dont ils ont intégré leurs expériences, de la façon dont on leur a appris qu'ils pouvaient aussi fonctionner à l'aide de leurs trois cerveaux. Mais ce sont des choses qui sont cachées, ça. Comme l'importance de la beauté dans le monde. On vit dans un monde de plus en plus laid.
parce que la beauté est reléguée au dernier plan de nos préoccupations. Et tout ça, dans mon sens, ferait partie d'un vrai système d'éducation qui ne comporterait à peu près pas de programme, et surtout pas ce qu'on appelle de la pédagogie. Parce que la pédagogie, ça n'est que la transmission de l'intérêt, de l'excitation, de l'étincelle. Et les programmes ne sont là que pour meubler le temps qu'on consacre à la scolarité. Ce qui est important, c'est pas d'avoir des programmes, c'est d'avoir appris et aimé à penser correctement. Et penser correctement, ça veut dire penser en fonction de soi, sans égoïsme, mais en fonction de soi d'abord, apprendre à se réaliser soi-même pour devenir un adulte qui n'en soit pas un. C'est-à-dire un adulte qui a conservé intact les valeurs et la beauté de son enfance. Ce qui est le danger qui guette le plus violemment l'artiste ou l'intellectuel, le vrai intellectuel, celui qui crée, c'est l'orgueil. À partir du moment où l'artiste, au lieu d'être amoureux de ce qu'il fait, devient tellement fier de ce qu'il a fait qu'il en perd le sens des proportions, ça n'est plus un artiste, ça devient une espèce de monstre narcissique. En tout cas, ça n'est pas ma définition à moi d'un artiste. Ça n'est pas non plus ma définition d'un scientifique. J'en ai connu des centaines de scientifiques. J'en ai connu une assez grande majorité, hélas, de gens qui étaient tellement imbus d'eux-mêmes, de leur importance, de leur appartenance à une élite, qui même ne se gênait pas pour le dire. J'ai connu des universitaires qui disaient publiquement « Nous sommes l'élite ». Moi, ça me faisait rire à mort d'entendre des choses pareilles quand on connaissait surtout la nullité du gars. Heureusement, c'est dans la nature de la jeunesse d'avoir de l'espoir, ne serait-ce que de changer ce monde pourri dans lequel on est. Et on a peut-être plus de chances de leur donner de l'espoir en leur montrant qu'on se préoccupe aussi de changer ce monde pourri et que leur travail à eux ne sera pas un travail de titan. Si on leur montre que nous aussi, les fameux adultes dont je parlais, nous sommes préoccupés par la pollution, nous sommes préoccupés par l'énergie nucléaire mal utilisée, nous sommes préoccupés par la dégradation de l'environnement, ils vont peut-être se sentir moins seuls et ils auront peut-être d'autres solutions que de se dire « Attendons que les vieux disparaissent et nous allons changer le monde ». Je pense que si on veut que le monde change un bon jour, et ça va se faire tranquillement, il faudrait au moins que les gens qui font partie de la jeune génération sentent que les adultes sont de leur bord, qu'eux aussi en ont assez de cette dégradation du monde dans lequel ils vivent. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe, parce que la caractéristique du monde adulte, c'est d'être précisément satisfait de ce qui se passe, de ce qui se fait, et de ne pas vouloir changer. De sorte que l'espoir des jeunes doit d'abord passer par la révolte contre les plus vieux qui ont laissé cet héritage-là. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que s'il y a une solution viable, elle va venir peut-être pas des jeunes eux-mêmes qui sont déjà contaminés, mais de leur espoir dans ceux qui vont les précéder. S'il y a une solution possible, elle viendra non pas de ceux qui sont déjà contaminés par le monde adulte, elle viendra plutôt de ceux qui vont suivre la jeunesse actuelle et à laquelle ils vont inculquer des principes de vie plus saine, plus accordés à la beauté des choses.
Ce qui se passe, c'est que nous sommes une civilisation du court terme. Nous sommes une civilisation qui a oublié l'importance du temps. Et les seules choses qui nous importent, qui nous préoccupent, sont les choses qui arrivent rapidement. S'il y a une catastrophe aérienne, ça c'est important. S'il y a une dégradation lente des érables, c'est moins important. On a fait des enquêtes en Californie, par exemple, on a demandé aux gens s'il devait y avoir un tremblement de terre dans 6 mois, qu'est-ce que vous feriez? Les gens disent on attendrait. Parce que 6 mois, pour eux, c'est trop long. Mais s'il devait y avoir un tremblement de terre demain matin, on le sauverait. Ah, ça, c'est du court terme. Et toute la civilisation occidentale est une civilisation du court terme. Les choses ne sont importantes que dans la mesure où elles nous menacent immédiatement. Si elles nous menacent dans 5 ans, dans 10 ans, ça n'est pas grave. Or, les gens qui font partie de la génération des jeunes sont plus pressés que ça. Et ils n'admettent pas d'attendre 20 ans avant que les choses changent, d'où leur impatience, d'où leur découragement, pour lequel il n'y a pas d'autre remède que d'apprendre à savoir que le temps n'est pas ce que la civilisation en fait, que le temps est une constante qui s'écoule très lentement et que les choses n'arrivent pas dès demain sous prétexte qu'on les a désirées. Et pour moi, le drame de la civilisation, c'est un drame de court terme, un drame de temps mal compris par rapport à ce que la civilisation orientale pense, par exemple. Les jeunes ont beaucoup de difficultés à vivre tout ce qui ressemble à de l'équilibre. Parce qu'ils sont dans un monde qui est déséquilibré. Ils sont dans un monde où les valeurs qui sont à la mode sont des valeurs d'agressivité, de domination, d'argent vite fait, de succès vite obtenu. Une civilisation qui ne privilégie pas, ne récompense pas l'effort patient, quotidien, soutenu. Et comme ces valeurs-là n'ont pas été enseignées, ni dans les familles, hélas, ni dans les écoles, où elles pourraient l'être, les gens sont laissés à eux-mêmes et n'arrivent pas à trouver ce bel équilibre qui peut exister entre des tendances contradictoires qui sont en chacun de nous. À 25 ans, je croyais que j'allais changer le monde. J'étais sûr que par la grâce de la communication scientifique que j'avais commencé à faire à ce moment-là, qui allait se produire dans la société à cause de l'audience que j'avais, des bouleversements profonds. Je me suis aperçu que, heureusement, ça m'a donné de l'humilité, que j'avais peut-être influencé quelques personnes. Mais c'était ça qui était important. Ça me fait penser à la phrase de Valéry qui est à peu près ceci. Il vaut mieux être lu 100 fois par une personne qu'une fois par 100. Alors, l'influence n'a porté donc que sur des individus. Elle n'a jamais été collective. D'ailleurs, j'ai jamais voulu qu'elle soit collective. Autrement, j'aurais été en politique. Mais ce qui me fait plaisir maintenant, c'est de rencontrer des gens qui, individuellement, me disent ce que vous avez dit à tel moment ou ce que vous avez fait à telle année m'a changé, m'a orienté, m'a aidé à vivre. J'ai passé ma vie à courir après le temps. Une partie de ma vie à courir après le temps. Et courir après le temps, c'est comme courir après une belle fille. Dans les deux cas, on se fait rattraper. Et on se fait rattraper par le temps qui, tout à coup, nous fait comprendre que c'est pas la peine de courir parce qu'on arrive à la fin de toute façon et qu'il faut changer de pas
Et ça s'appelle l'âge mûr, ou pour ceux qui aiment les formules qui ne veulent rien dire, ça s'appelle l'âge d'or. Mais je préfère l'âge mûr parce que je préfère la maturité à cet or qui est un or factice. Pour moi, l'avenir, c'est le passé et le présent qui se prolongent. Je n'ai plus d'échéance. Je ne dis pas j'en ai pour X mois ou X semaines ou X années. Je me dis j'en ai pour aujourd'hui, demain et les jours qui viennent. Alors, je ne cours plus. Je reste là, tranquille, et je suis ce que j'étais quand j'étais petit gars. Un contemplatif. J'ai jamais été un actif, un sportif, un joueur d'équipe. J'ai toujours été un gars qui regardait autour, les choses aussi bien que les gens. Et maintenant que j'ai plus de loisirs et que je me fatigue plus vite à travailler, je travaille moins et je contemple davantage. Il m'arrive assez souvent de changer mon fauteuil de place et de regarder la rivière au moment où le soleil se couche. C'est du temps perdu, ça. Normalement, je devrais me dire, j'ai pas le temps de faire ça. Il y a autre chose à faire, c'est pressé, j'ai un livre à écrire, j'ai des chroniques à fournir, j'ai des gens à voir, j'ai de la musique à entendre, j'ai une pièce à aller voir, il faut que je goûte à tel menu de tel restaurant. Tout ça, c'est de la course à pied. Je n'en fais plus. Et ça donne, si on accepte qu'il y a une échéance temporelle, et si on a la sagesse de ne pas lui fixer un terme, on obtient la sérénité. Et cette sérénité-là, à l'occasion, peut être une sérénité souriante, et ce n'est pas en tout cas une sérénité qui s'accompagne de dépression. Imaginez que vous êtes dans une situation où on vous dit, vous en avez pour quelques mois. Les choix ne sont pas nombreux. Ou bien vous vous mettez à pleurer, ou bien vous continuez à travailler. Moi, je m'étais toujours dit, je ne prendrai jamais ma retraite. La retraite, pour moi, c'était la déchéance, c'était l'abdication. Et je continue à dire, je ne prendrai jamais ma retraite. Alors, pour le temps qui me reste à vivre, que je ne peux pas évaluer d'ailleurs, parce que c'est des données statistiques, ça s'applique à une foule, ça ne s'applique pas à un individu. Pour le temps qui me reste à vivre, pourquoi ne pas continuer à faire ce que j'aime? Puis on verra bien jusqu'où ça me mènera. Autrement, je m'affaisse, je deviens comme le passeur de Rodin à l'envers, puis je me change en pierre. C'est pas mon genre. La seule chose qui est grave dans l'acte de vieillir, c'est la déchéance apportée parfois par la douleur. Ça, c'est grave, parce qu'on n'y peut rien. Si on perd son autonomie, ou si la douleur physique devient telle qu'on est incapable de se distraire l'esprit de cette douleur-là, alors, à ce moment-là, aussi bien mourir le plus vite possible. C'est à ce moment-là qu'on désire la mort, comme une délivrance. Mais autrement, on ne désire pas la mort, et moi, je ne la désire pas du tout. J'aime trop la vie que je mène pour envisager avec la moindre satisfaction le fait qu'elle se termine. Et de la même façon que je suis convaincu que la plupart des gens meurent, à moins d'accidents, la plupart des gens meurent lorsqu'ils veulent mourir. Je suis convaincu de ça. Et je suis convaincu que la plupart des gens vivent lorsqu'ils veulent vivre. Qu'il y a là des forces importantes dans notre organisme qui sont mal connues et qui font que, ou bien on meurt prématurément, toujours l'accident étant exclu, ou bien on meurt plus tard. Moi, j'ai connu des gens, j'ai connu ma mère, par exemple, qui, mon père étant mort à 84 ans, elle en avait 82, ayant passé sa vie avec lui,
lorsqu'il est mort, n'avait plus de goût de vivre. Et elle s'est littéralement laissée mourir. L'année suivante, elle était morte. Elle a cessé de manger, cessé de s'alimenter, de boire. Et puis elle a dépéri. Elle est morte. Et on peut appeler ça, le mot ne me gêne pas du tout, on peut appeler ça du suicide. Mais c'était un très beau suicide. C'est une forme d'abdication devant une vie qui n'a plus de signification. Si ma vie n'avait pas de signification profonde, importante, émotivement enrichissante, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je ferais là? Je me laisserais aller. Mais c'est que je trouve des gratifications qui sont suffisantes pour me dire que ça vaut la peine. Je sais, par exemple, que ma femme a planté des tulipes l'automne dernier. J'ai hâte de les voir. Ce sont des espoirs comme ça qui font que ça vaut la peine de continuer tant que c'est possible.